Bon, bah, maintenant que le tournoi est terminé, il est temps d'aller arrêter Sumo Shredder pour vol et pour attaque et pour vandalisme et pour démarchage et pour mourir et etc. Je veux que tu ailles l'arrêter maintenant. Ok, boss. Simon Shredder, vous êtes en état d'arrestation. Par qui? Par toi? Non. Reste en dehors de mon chemin, ou tu vas finir comme Salazar. Bonjour tout le monde et tout d'abord félicitations à Patty Cakes pour sa victoire sur le tournoi de mi-saison. Et à la team Wario, si quand même, deux victoires à la suite sur le tournoi avec Dawson l'an dernier et Cakes cette fois. Oui c'est vrai, une très belle réussite pour la team Wario, sachant que Patty Cakes ne faisait pas partie de l'équipe l'année dernière. Revenons aux actus. Avec Frankie Biggs au bord de la piste. Frankie? Alors, un problème de liaison avec Frankie. Eh bien, écoutez, nous reviendrons plus tard quand nous aurons réussi à rétablir... Michel? Frankie, vous êtes là? Michel, vous entendez? Oui, Frankie, on vous entend. Alors... On retrouve tout de suite Frankie en direct des stands. Oui, merci Michel, ici avec les Mario Man qui s'échauffent avant les cours du jour. Vous voyez la Team Wario qui célèbre la victoire de Patty Cakes sur le tournoi la semaine dernière. Oh, dites donc, mais président tout semble avoir reçu une livraison. Oh, mais dites donc, président tout se payait une Enzo. Alors, la grande question, la verra-t-on sur la piste ou restera-t-elle cachée dans sa connexion personnelle? Et les Vile, oh, ils sont studieux, ils élaborent un plan d'attaque. Eh bien, écoutez, on verra ça plus tard, hein, parce que ces gens sont dangereux, hein, je veux pas rester là. Alors, comment ça s'est passé? J'ai pas réussi à l'arrêter. Pourquoi? Il m'a menacé, j'avais un peu peur, quoi. Non mais, incroyable ça n'a pas de sens. Il est pas dangereux. La prochaine fois que tu as la chance, t'as intérêt à l'arrêter. Ok, boss. Et retour à la compétition avec cette seconde moitié de la saison. On reprend donc le groupe A. Vous voyez les Fast Cash qui sont les premiers devant les Vile, la Team Wario et les Mario Men qui sont en zone de relégation. Ouais, bon, ils ont pas beaucoup de points de retard. Non, c'est vrai. Voyons ce qu'il va se passer. President Wu, Patty Cakes, Leonard Dougman et Michael Andretti qui vont s'affronter pour la deuxième fois. Rappelons que c'est la seconde moitié de saison. Donc, ils ont déjà fait leur premier tour. C'est le second tour. Est-ce que Patty Cakes va continuer sur sa lancée après avoir remporté le tournoi? Vous voyez qu'elle avait déjà marqué le premier jour de son empreinte. Première course avec... Ouh, ça s'accroche. Oh, Michael Andretti qui s'échappe. Et c'est très serré à la fin. Mais effectivement, on a Michael Andretti qui arrive à terminer devant Patty Cakes. Vous voyez, les deux sont allés jusqu'au bout alors que... À l'accrochage, Leonardo Dougman et Président Wu sont restés bloqués. Allez, on va voir la deuxième course, encore très serré, ça pointe et ce coup-ci, Président Wu était devant, mais il a fini sur le toit. Alors, Leonardo et Patty Cakes lui sont passés devant, Michael Andretti est resté bloqué. Ah ouais, en fait, Patty Cakes a poussé Président Wu dans le mur. Et Leonardo en a profité, donc Patty Cakes première devant Leonardo. C'était un peu limite pour Patty Cakes aussi. Elle a eu de la chance de bien s'en sortir dans cette manœuvre vraiment dangereuse. Ah ouais, faut pas faire ça chez vous les enfants, hein. Non, ni chez vous, ni sur la route, ni ailleurs. Allez, troisième course où ça s'accroche encore très très fort. Et ce coup-ci, Michael Andretti est loin devant Patty Cakes. President Wu et Leonardo Dougman qui ne terminent pas. Regardez, il reste bloqué après cet accrochage à l'entrée du virage. On peut dire que
cette journée, cette reprise du championnat est vraiment compliquée et vraiment musclée. Ouais, là on peut dire que ça frotte pas mal. Allez, ça brûle, là, 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 ça a encore tapé. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? La présidente Wu était largement en tête, mais il est sorti de la piste. Rappelez-vous, il avait déjà dit au début de la saison qu'il trouvait cette piste très dangereuse. Regardez, il était très très bien, mais il a raté le saut à la fin. Et c'est Patty Kex qui est la seule à terminer, puisque Leonard Dougman, qui était quand même pas mal parti, n'arrive pas au bout. Donc les Vails sont mal barrés, mais la Team Wario s'en sort très bien. Patty Kex met la pâtée à tous les mecs. Oui, effectivement, Patty Kex remporte ce groupe avec beaucoup de points. Elle a eu deux fois plus de points que Michael Andretti aujourd'hui, cinq fois plus que Leonardo Dougman. Et Président Tout qui part avec zéro. Président Tout doit penser à sa nouvelle Ferrari, parce que pour repartir comme ça avec un zéro pointé... Alors que Patty Kex a presque fait le plein de points quand Andretti a fini, il était devant elle, mais il a fini que deux manches. À chaque fois, elle était deuxième derrière lui et première sur les deux autres manches. Et ben on peut se poser la question de quel plan pour les Vails, puisqu'ils sont derniers derrière les Fast Cash. Et en toute logique, la Team Wario profite de sa championne à plein pour prendre un peu d'air devant les Mario Men. Ouais, on aurait pensé qu'elle allait se reposer après le tournoi, mais au contraire, elle a continué sur sa lancée et elle a écrasé ses concurrents. Oh, attendez, qu'est-ce qui se passe? On a des informations qui nous arrivent. Oh là, la vache, t'es lourd. Encore un peu. Je vais pas tenir. J'ai presque fini. Dépêche. C'est quoi? Oh, c'est l'agent Cody, attrape-le. Je t'avais dit de pas te frotter à moi, Koji. Allez, maintenant, sois tranquille.